Bonjour et bienvenue à ce 10e chapitre de Lightroom Mais Encore, déjà le 10e, où on va essayer d'accrocher des photos au mur. J'ai JNC Web du forum Postpartage qui aimerait voir ce que ces photos donneraient sur un mur. Donc il a, je sais pas, une centaine de photos, c'est des photos qui sont carrées, ça c'est le mur où il voudrait les accrocher. Et il aimerait voir comment il peut créer une centaine de photos comme celle-là, à part qu'à chaque fois, il y aura une de ses œuvres différentes accrochées au mur. Alors on va essayer de faire ça avec Lightroom, hein, puisque c'est plutôt sur Lightroom qu'on travaille. Là par contre, vous avez dû le remarquer, on n'est pas sur Lightroom. On n'est pas sur Lightroom parce qu'il va falloir préparer un peu cette photo. Et il va falloir créer un cadre photo. Et puis il va falloir surtout créer à l'intérieur de ce cadre photo une zone transparente. Et Lightroom va ensuite, via le module d'impression, utiliser cette zone transparente pour mettre la photo à l'intérieur. Alors, on va regarder un peu comment on fait tout ça. La première chose qu'on va regarder, c'est la taille de cette image là qu'il m'a donnée. Parce qu'on verra que c'est intéressant après dans Lightroom à connaître. Donc, taille de l'image, elle fait 1213 par 692. Essayez de vous en souvenir. Moi, je l'ai noté sur un bout de papier, donc je n'oublierai pas. Une fois qu'on a fait ça, on va donc commencer à créer un peu son cadre photo. Alors on va déjà dupliquer ce calque là, on va créer un nouveau calque transparent qu'on mettra ici en dessous, très bien, et on va créer encore un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus pour mettre le cadre photo, celui-là on n'en aura plus besoin. Voilà, donc ça sera la zone transparente ici, là ça va être la photo, et là on va s'amuser à créer le cadre photo. Alors, son cadre photo, on va essayer de faire ça assez rapidement et facilement. Voilà, on va dire... Alors il a des photos carrées, mais il veut quand même les mettre dans un cadre qui n'est pas carré. Donc on va dire un cadre qui est comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais déjà le remplir en noir, ce truc-là. Ok. À l'intérieur, je vais mettre une zone, alors pas forcément blanche, dans le sens où si on la met blanc, ça va être trop blanc, donc on va utiliser un peu, ici, vous voyez, on a une armoire qui est blanche, et qu'elle est plus blanche ici et moins blanche là, donc on va utiliser un peu ça. On va dire, allez, la couleur ici, la première, c'est celle-là, j'intervertis, ça sera la couleur du fond, ok. Et en fait, je vais faire une espèce de dégradé à l'intérieur qui va ressembler à ce dégradé qu'on a ici. Alors, hop là, un peu trop. Je reprends ici, on va faire un cadre qui n'est pas trop épais. Voilà, là ça peut être pas mal comme cadre. Et là, je vais donc faire un dégradé à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un dégradé qui ressemble assez au dégradé de la porte que j'ai là. Ensuite, je vais encore faire un petit liseré noir. Ça peut être pas mal. Donc là, je fais une sélection carrée. Voilà, là c'est bien. Édition, contour, un pixel en noir. Ok, vers l'extérieur, très bien. Il m'a fait un petit liseré noir. Je vais ensuite créer. Ça, je vais désélectionner. Option de fusion, on va créer une petite ombre pour, vous voyez qu'on a une ombre là au niveau du meuble. On va essayer de faire un peu la même chose au niveau du cadre, que ça fasse plus réaliste. Une ombre pas trop portée. Voilà. Je vais fusionner ici mes deux calques. Et là. Je vais aller prendre l'intérieur et je vais l'effacer. Voilà. Donc, j'ai créé un cadre photo à l'intérieur de cette pièce et j'ai une zone transparente à l'intérieur. Bon, moi, j'ai utilisé Photoshop. Vous pouvez le faire avec The Gimp, tout ce que vous voulez. Là, c'est un peu à vous de voir. Et je vais sauver ça dans un format qui gère la transparence. Donc, par exemple, le PNG. Donc, fichier enregistré sous. Très bien, je suis dans mon répertoire de formation et je vais dire que je veux du PNG, 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 voilà. Et je vais l'appeler test.
test.png. Ça, vous choisissez ce que vous voulez, c'est pas destructif de toute façon, ça changera pas grand chose. Ok, voilà, j'ai ma photo qui est prête. Maintenant, je vais pouvoir aller dans Lightroom. Voilà, je suis dans Lightroom et dans Lightroom, ici, j'ai créé un petit catalogue exprès où j'ai 39 photos qui sont des photos carrées. Donc, on va aller dans le module impression. D'accord ? Donc là, je suis en mise en page A4, format letter. Non, pardon, je suis en portrait, format letter. Je peux mettre en portrait A4 si je veux. Mais en fait, on va se rendre compte que ça ne va pas servir à grand-chose. On va aller modifier un peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire ici, donc on est en une seule image, planche contact, c'est ce qu'on veut. Ici, on va changer l'unité et vous allez mettre des points. Pourquoi on va mettre des points? Parce qu'il y a une relation directe entre les points, les pixels, la résolution point par pouce, qui est assez, on va dire, facile à faire. Ici, vous n'allez pas imprimer sur l'imprimante, vous allez imprimer sur un fichier JPEG. D'accord? Et là, dans dimension de fichier personnalisé, vous allez mettre la taille de votre photo, 692. Bien. Mais ça, ça va marcher uniquement si là, vous avez mis 72. Donc là, lorsqu'on imprimera, si vous mettez 72 ici et que vous mettez au niveau des points la dimension de votre image, vous verrez qu'à la fin, la photo, le fichier JPEG que vous allez générer aura la même taille que l'original. Je ne vais pas vous faire une démonstration là des points par pouce, des pixels et ainsi de suite. Croyez-moi sur parole, ça marche. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on a donc sa photo qui est là, au milieu. Mais d'abord, ce qu'on veut, c'est rapatrier notre photo avec le cadre. Donc ça, vous allez aller dans plaque d'identité. Vous allez cliquer ici sur plaque d'identité et vous allez faire modifier. Et là, il vous dit soit du texte, soit une plaque d'identité graphique. On va utiliser une plaque d'identité graphique et on va aller rechercher le fichier PNG qu'on a créé avant. Rechercher fichier, il est là, test.png, hop, je le prends et je fais OK. Le fichier, il vient d'apparaître là. Et vous voyez d'ailleurs dans la petite fenêtre, hein, ça se voit déjà qu'on voit la photo derrière. Ça, vous allez le positionner, vous allez essayer de le positionner correctement. Voilà. Alors, on peut jouer avec les flèches hein, pour le positionner. Alors là, il faut peut-être que je mette un pixel de plus. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est mieux? Non, toujours pas. Là, j'ai un petit trait blanc, soit à droite, soit à gauche. Allez, voilà. On va essayer de régler ça proprement. Voilà, ouais, ça devrait être bon. Non, je l'ai toujours, mais c'est pas grave, je vais quand même rester comme ça. Vous ferez mumuse avec vous-même si vous voulez. Et j'ai ma photo derrière. Donc, comment je vais faire ça? Je vais faire rendu derrière l'image, déjà ici. Donc, je vais voir ma photo qui apparaît. Et là, je vais commencer à travailler avec la taille des cellules. D'accord? Vous voyez que je peux jouer avec la taille de la cellule. D'accord? Pour faire une cellule carrée d'ailleurs. Ça sera encore plus simple. Voilà. Et là, maintenant, avec les marges, je vais pouvoir commencer à bouger ma photo. Voilà. Donc là, je vais encore la bouger un peu. Alors, vous pouvez rentrer ici les choses à la main. Hein. 252 points, par exemple. Voilà, ça devrait être pas mal. Et ensuite, on va la monter un peu. Donc, on va prendre la marge en bas. Et voilà, j'ai mis ma photo là-haut. Maintenant, je vais recliquer là sur « Rendu derrière l'image ». Et j'ai ma photo qui est là. Maintenant, si je fais utiliser toutes les photos du film fixe que j'ai fait, hein, faire apparaître mon film fixe, il est là avec toutes les photos, eh ben, je vais pouvoir commencer à me promener. Et de voir ce que mes photos donnent au mur. Et comme ça, je vais pouvoir choisir celle que je préfère. Ou même si c'est pour faire une sorte d'exposition virtuelle, vous pouvez le faire. Donc ça, j'ai réussi à le faire. Maintenant, il faut quand même que j'imprime tout ça. Donc je vais faire imprimer ici dans un fichier.
Et là, il me dit de donner un nom. Alors, je vais faire. Alors, en fait, il va vous créer un répertoire et dans ce répertoire, il va mettre toutes les photos. Alors, pourquoi il vous met toutes les photos, hein? Parce que j'ai dit que je voulais imprimer toutes les photos du film fixe. Ça, allez voir le petit cours sur l'impression. Vous comprendrez plus rapidement. Donc, imprimer dans un fichier. Je vais faire, je sais pas moi, exposition. Et là, Lightroom, il se met à bosser et en fait, il est en train de me créer. Toutes les images avec à chaque fois une photo différente. Alors, je vais les réimporter là dans le catalogue pour qu'on les regarde. Hein. Voilà, il a terminé. On va donc faire fichier, importer des photos et des vidéos. Je suis dans mon répertoire formation et là, il m'a créé la petite chose exposition. D'accord? Et à l'intérieur, bah, j'ai toutes mes photos. Voilà, de exposition jusqu'à exposition 39. Donc je vais aller voir ça. Je ne vais pas les mettre ici au niveau de bon classement. Je vais les mettre au niveau de formation, formation carré. Puisque c'est là où j'avais mis mon répertoire pour vous. Et je vais faire importer. Et voilà, il est en train de m'importer toutes les photos. Les unes après les autres. Et donc maintenant, si je vais aller les voir, et ben voyez que j'ai toutes mes photos qui ont été faites en JPEG, hein, c'est des JPEG à chaque fois, et avec les différentes images au fond. Comme ça, j'ai simulé mes photos sur le mur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.